depuis son élection à la tête de la Ligue départementale Koufo du jeu à Dji, le député Borgia Santos Mbouke multiplie des initiatives pour l'essor de cette discipline. Dans cette veine, il a entrepris une tournée dans les 6 communes du département afin d'échanger avec les acteurs et voir les différents leviers à actionner pour mieux la valoriser. Nous sommes allés rencontrer les acteurs pour les motiver à reprendre le travail qu'il faut en termes de synergie, en termes de collaboration, en termes d'initiative à l'interne de chaque commune et faire en sorte que d'ici là, nous puissions dire que le jeu à Walé a pris de l'ampleur au niveau de notre pays et plus spécifiquement au niveau du département du Koufo. Cette activité du député Borgia Santos Mbouke fait partie des axes clés de son agenda depuis qu'il a pris les rênes de cette discipline dans le département du Koufo. De Dobo en passant par Tovikle, Lalo, Klekame, Diakotome et Aplahwe, l'élu de la 12e circonscription électorale se dit fier d'avoir rencontré des acteurs qui sont en phase avec ses idéaux. Ça a été pour nous un grand satisfaction de constater que tous les acteurs rencontrés sont déterminés, motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que ce jeu-là puisse sortir de l'ombre. Et nous allons en même temps également profiter pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés du Koufo comme d'ailleurs à faire en sorte que le jeu à Walé, le jeu à Dji, que nos aïeux nous ont laissé, ne soit pas un jeu rangé dans les tiroirs. Il faudrait qu'on ressorte ce jeu-là et faire en sorte qu'il y ait une visibilité autour de ce jeu, qui est un jeu de distraction et qui amène jeunes, adultes, n'importe quelle catégorie à se retrouver, à mutualiser les énergies, à se distraire. C'est un jeu qui pourra véritablement unir le peuple. Nous avions vu les hommes de toutes les tendances politiques, que ce soit des BR, des UPR, des MOL, des démocrates, de tout ce que vous voulez comme parti politique au monde, là, ils se retrouvent là pour jouer ensemble, rire ensemble, se distraire ensemble, faire des compétitions d'ensemble avec une convivialité à nul autre pareil. Sur le terrain, le président a constaté que l'application des règles du jeu de domino varie d'une commune à une autre en raison de l'inexistence d'une norme standard à laquelle doivent se conformer ses pratiquants. Une irrégularité qui, selon lui, doit vite laisser place à une harmonisation des principes du jeu. Quand vous êtes à Tovikle, il y a quelques différences en termes de méthode de jeu ou de règlement. Quand vous allez à Plaro, vous trouvez un peu de différence. Vous allez à Dobo, vous trouvez un peu de différence. C'est le constat que nous avons fait sur le terrain. Nous pensons remonter ça à la fédération. Et les responsables au plus haut niveau vont travailler là-dessus et vont faire en sorte qu'il y ait une harmonisation au niveau de tout le pays pour que nous puissions nous conformer à une règle unique. Avec ses nobles ambitions, le jeu a dit à de beaux jours devant lui et les acteurs sont ravis. Je vais commencer par le remercier pour les différentes initiatives qu'il entreprend jusque-là pour le rayonnement de leur patrimoine commun qui est le jeu a dit. Je voudrais l'inciter à travailler davantage. Ce n'est pas facile. Nous savons qu'il a deux contraintes, mais ensemble, on ira loin. Progressivement, le domino essaie de creuser son sillon pour se hisser au rang des activités ludiques les mieux structurées et qui déchaînent les passions dans le département du Koufo. Une avancée à mettre à l'actif du député Borgia Santos Mbouke.